Bonjour, un secteur qui recrute, c'est le secteur de l'immobilier. Eh bien, vous allez le voir tout de suite avec Century 21 que l'on a croisé au 4e salon de l'emploi et de la formation organisé par le réseau national des missions emploi. On y va. Paul Pereira, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'agence, le secteur de l'immobilier en plein développement aujourd'hui en Île-de-France. Oui, le marché de l'immobilier est en plein développement, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en immobilier, il n'y a pas de non-consommateur. Tout le monde consommera un jour ou l'autre d'immobilier. Donc 100% de la population, c'est nos clients. Soit on est locataire, soit on est acheteur, propriétaire. Et justement, vous recrutez sur quelle ville? Vous avez deux agences, c'est ça? Alors, pour ma part personnelle, je recrute sur deux villes, qui sont Drancy et le Blanc-Mesnil. Oui. Donc pour des points de rattachement à ces villes-là. Et tout le réseau recrute. Oui. En France entière. On y reviendra au réseau, mais vous, concrètement, quels sont les profils de postes que vous cherchez, par exemple? C'est quoi les métiers qu'on recherche chez Century 21? Nous avons la chance d'avoir deux points de vente et deux métiers, qui sont la vente et la gestion locative. Donc, on recrute sur quatre postes. Donc, on recrute une assistante commerciale, donc il y a une part accueil et une part secrétariat. C'est un poste qui est déjà existant, qu'on veut doubler. On veut doubler l'effectif sur ce poste-là. Nous recrutons également une assistante gestion locative. Donc quelqu'un qui va effectivement, dans le quotidien, gérer les problèmes que rencontrent nos locataires, de fuite et autres. Et nous recrutons un conseiller location et développement, donc quelqu'un qui va gérer les relations pour trouver des logements pour les locataires, ce qui est très dur en Île-de-France. Mmh. Et enfin, un conseiller vente transaction, qui est souvent le métier uniquement connu dans notre branche. Ça, ce sont des métiers que l'on retrouve partout en France et donc tout le réseau recrute ces profils-là? Alors, dans tout le réseau et partout en France, pas sur toutes les agences, car toutes n'ont pas tous les métiers dans leur point de vente. Quels sont les profils que vous recherchez? C'est plutôt des jeunes, des juniors, des personnes expérimentées? Et comment ça se passe? Ce sont des CDI que vous proposez? Alors, on propose des CDI. Maintenant, on n'a pas de profil type, puisque dans un équilibre d'une entreprise, il faut tous les profils. Il faut des apprentissages, il faut des anciens, il faut des seniors. C'est l'équilibre même de la vie de l'entreprise. D'une entreprise à taille humaine. Sur les deux points de vente, en tout, on est 14. Vous l'avez bien compris, des petites entreprises, petites structures recrutent. Et oui, c'est la richesse du tissu économique français, ça recrute. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs pour qu'ils viennent travailler chez vous? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'on fait le plus beau métier du monde. Après chasse-femme, c'est que nous on vend du bonheur, c'est-à-dire qu'on va vendre le lieu où les gens ont fait leurs souvenirs, fait leurs rêves à des gens qui vont y faire le leur, et ça, ça n'a pas de prix. Monsieur Pereira, merci infiniment. Merci à vous. Vous l'avez compris, dans l'immobilier, il y a des opportunités. Vous les retrouvez bien sûr sur le site internet de l'agence. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.